Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo Back to School. Donc, ce sera une vidéo où je vais vous présenter donc le maquillage que je porte en ce moment et deux coiffures. Donc, celle que je porte en ce moment et une autre coiffure que vous verrez par la suite. C'est la première fois que je fais une vidéo où je montre des coiffures, etc. Donc, dites-moi si ça vous plaît. J'ai grave galéré à filmer la vidéo et tout parce que j'ai pas de retour caméra. Donc, j'espère vraiment que ça rendra bien à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de savoir un peu vos avis, etc. Parce que c'est la première fois que je fais une vidéo back to school. Autre chose, le maquillage que je porte aujourd'hui, c'est un maquillage que je pourrais reproduire tous les jours si je vais à l'école. Donc personnellement, je passe en seconde. Donc voilà, si vous voulez pas vous maquiller pour la rentrée, ne vous maquillez pas. Ça sert à rien d'en faire trop, etc. Moi, c'est vraiment un truc que je sais que je pourrais reproduire par la suite. Donc c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui, puis c'est des trucs vraiment super simples, c'est des couleurs que tout le monde a. Donc voilà, c'est un truc très très simple à faire, j'ai essayé de faire un maximum pour que tout le monde puisse reproduire mon tuto. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve à la fin de la vidéo et je vous laisse avec la suite. Donc en premier, je me nettoie le visage avec la solution micellaire de chez Bioderma. Ça rafraîchit le matin, puis ça vous enlève un peu les résidus de crème que vous avez pu mettre la veille. En parlant de crème, je m'hydrate le visage avec la crème Nivea Soft, qui est super bien. Puis je mets mon fond de teint préféré de tous les temps. Donc oui, je sais qu'on a l'impression que j'en mets 3 tonnes, mais c'est parce que le pot se vide. Donc j'en mets avec ma Beauty Blender et voilà, je tapote sur tout le visage tout simplement. Ensuite, je me matifie le visage avec la poudre libre de chez Monop Makeup, qui est super bien. Et évidemment, j'en fous partout. Et elle sent la vanille, donc moi je l'aime beaucoup. Ensuite, même si j'ai déjà le visage bronzé, j'aime bien quand même réchauffer un peu l'extérieur du visage avec donc ma poudre, enfin mon blush pardon, qui vient de chez Deborah. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je le mets en forme de 3, en partant du front, sur les tempes et la mâchoire. Ensuite pour les yeux, je prends ma palette Urban Decay, la Vice de Ibis, je sais pas comment on dit. Et puis en coin interne, je mets un rose irisé dans le coin interne et j'étire un petit peu sur la paupière mobile. Ensuite donc je prends le bronzer que j'ai mis tout à l'heure, donc ça fait 2 en 1, avec un pinceau fluffy que je mets dans le coin interne. J'avais beaucoup de mascara mais je savais pas lequel prendre sachant qu'ils étaient tous secs, donc finalement je me suis quand même décidée et donc je me suis recourbée les cils. Et donc en première couche je mets donc le mascara 360 degrés de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup les mascaras de chez Yves Rocher parce que je trouve qu'ils sont très très bien et puis ils sont pas chers en plus, donc c'est super. Et j'en mets donc sur les cils du bas. Et donc en deuxième couche je mets le mascara télescopique de chez L'Oréal, qui est très bien aussi, mais bon voilà, comme ils étaient un peu secs donc j'ai un peu galéré. Donc voilà le résultat du maquillage des yeux. Ensuite donc je passe au rouge à lèvres et celui-ci c'est encore un de chez Yves Rocher, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc à la caméra il ressort plutôt rouge mais en fait il est plutôt corail en fait. Donc je le tapote un petit peu et puis à la fin j'estompe donc avec mon doigt. Donc voilà le maquillage final. Donc désolée si j'ai le bras tendu mais c'est parce que j'avais un miroir derrière parce que j'ai pas de retour caméra. Entre besos y pasión. Estoy imaginando que estoy desnudándote mi calma. Donc bref, pour passer à la première coiffure, donc je défais ma tresse que j'avais juste fait pour me maquiller, donc du coup j'avais pas les cheveux très ondulés mais c'est pas grave, je m'en fous. Et puis donc j'avais pas les cheveux très propres, du coup je me suis mis du shampoing sec de chez Baptiste, c'est celui qui sent la fleur, je l'aime beaucoup. Et donc bah je le mets sur mes racines, grasse, et puis je frictionne avec mes doigts. Donc ensuite je me brosse vite fait les cheveux à la surface, j'aime pas trop me brosser vraiment les cheveux, je sais pas trop pourquoi, j'aime pas trop ça. Et donc on va faire une tresse africaine, sur le côté en fait, j'avais envie de me faire un truc sur le côté parce que cet été je me suis repercé les oreilles en fait et j'aimerais bien qu'on voit un petit peu mes boucles d'oreilles, donc du coup je vais me faire un truc sur le côté. J'aime beaucoup faire ce genre de coiffure, je trouve que ça me va bien. Donc en premier vous allez tout simplement prendre 3 mèches de cheveux sur le côté, donc encore une fois. À peu près égal en fait. Et donc vous allez tresser et à chaque fois que vous allez prendre une mèche
vous allez en reprendre une donc sur votre crâne. Je suis désolée si c'est pas très compréhensible, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc à chaque fois que vous faites une boucle, vous reprenez une mèche de votre crâne. Comme ça, en fait, la tresse va se coller entre guillemets automatiquement sur votre tête. Donc voilà, vous faites une boucle, vous prenez une mèche de vos cheveux, vous tressez, vous serrez bien, et vous reprenez une mèche, vous tressez, vous prenez une mèche, vous tressez. Évidemment, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, hein. Moi aussi du premier coup j'ai pas du tout réussi, en fait j'ai mis un peu de temps à savoir comment ça fonctionnait, parce que c'est vraiment un mécanisme que vous devez faire en fait avec vos doigts. Donc je comprends que c'est pas très facile du premier coup, mais ça arrive avec de l'entraînement. Et donc bah, moi je m'arrête à peu près à ce niveau là, et après je continue à tresser normalement en fait jusqu'au bout. Si vous avez pas envie, vous pouvez très bien en fait laisser votre tresse à l'endroit où je me suis arrêtée et à la fixer avec une pince en fait. Et donc voilà, j'ai continué, puis j'ai attaché avec un élastique. Je vous conseille quand même de prendre un élastique transparent parce que c'est pas très joli ce que j'ai fait avec un gros élastique blanc, mais je n'avais pas. Donc voilà. J'ai bourriffé un petit peu sur le côté parce que c'est toujours plus joli d'avoir les cheveux un peu plus épais. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Moi j'adore faire ce genre de coiffure, je trouve ça vraiment super joli. Et on dirait que vous avez passé 3 heures alors qu'en fait, bah non, c'est pas très très compliqué, et puis c'est plutôt rapide. Ensuite, donc pour la deuxième coiffure, ce sera un top knot. Donc en fait, c'est tout simplement un chignon demi-queue de cheval en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc vous séparez tout simplement vos cheveux en deux. Avec votre mèche en fait, vous allez la faire plus ou moins épaisse. Et vous allez lisser le haut de votre crâne, donc la tangle teaser c'est vraiment parfait pour ce genre de truc. Et vous allez un petit peu, comment dire, bomber en fait le dessus de votre crâne. Donc voilà, je vais à l'instant de le faire, je sais pas si vous avez très bien vu. Et donc ensuite vous attachez avec un élastique normal en fait, c'est pas grave si vous prenez un élastique qui se voit parce que de toute façon il va pas se voir. Et en fait je sais pas si vous voyez très bien, mais à chaque fois que je serre ma queue de cheval, bah en fait je pousse vers l'avant et ça va donner du volume en fait automatiquement. Et puis je tire des petites mèches sur le haut pour que ça fasse un peu plus bombé. En fait c'est plutôt une coiffure assez messy si vous aimez pas trop avoir les cheveux devant le visage en fait. C'est une bonne alternative et ça fait genre vous avez passé 3 heures alors qu'en fait pas du tout. Donc ensuite vous twistez votre petite queue qui dépasse et en fait bah, vous allez tout simplement l'enrouler en fait autour de votre élastique pour faire un chignon en fait tout simplement. Ensuite donc vous reprenez un autre élastique et bah vous attachez tout simplement votre chignon, mais on va pas rester comme ça évidemment parce que franchement là ça fait super moche. Mais on va prendre des petites bobby pins et en fait on va venir aplatir le chignon sur le crâne, on va venir l'attacher sur votre tête en fait. Ça fait beaucoup plus joli je trouve, et puis ça fait pas un espèce de gros truc que vous avez sur le crâne si vous voyez ce que je veux dire, là ça fait beaucoup plus joli. Et donc ensuite je tire légèrement dessus pour que ça fasse un peu plus de volume et voilà. Donc c'est vraiment super simple, vous avez passé à peine 5 minutes et vous n'avez pas les cheveux devant les yeux, et en plus c'est super mignon. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir, à commenter etc. Et à me dire surtout vos ressentis et tout. Par rapport à cette vidéo, etc. Parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!